se passe, man? Je viens de procéder à un licenciement. Oh non, man, c'est pas vrai. Allez. Oh, oh c'est gelé. Ah, la vache. C'est plein de grumeaux là-dedans. Moi, j'ai pas besoin, je suis à fond. Mais t'es à fond, fous-moi la paix. On dirait la SNCF en plein boulot. Fous-moi le camp de là. Allez, hop. Ça va, petit Maria? Tu sais pas de foot, t'es gynécologue? Ah bah dis donc, elle est remontée la bête, hein. C'est bah dommage que tes colissimo vont pas aussi vite que ta connerie, toi. C'est quoi ce bordel depuis tout à l'heure? C'est la Gay Pride ou quoi? C'est qui déjà par rapport à moi que tu m'avais dit là? C'est ta petite cousine, puisque c'est ma petite nièce. Bah oui, mais t'es emmerdant, je te l'ai expliqué hier, ça, Christian. Bah oui, bah c'est comme tout, t'écoutes rien. 2 mois ici, hein, pour pas se faire chier, va falloir grave positiver. Hein. Emma, hein? Eh, à ça revenu, ces saloperies de taupe. Hein. Bah oui, je sais bien, il va falloir que je m'occupe de ça. 1, 2, 3. Enjambadé du phare, 1, 2, 3. Je savais que ça me resservirait leurs explosifs aux boches. Ça faisait péter des ponts en 40, ça peut bien casser la gueule à une taupe quand même. Allez, allez, oh. Voilà. Moi, je vois goûter à la poire, voir si elle vieillit bien. Elle vieillit mieux que moi, la garce. Outé, tata, outé. Outé, tata, outé. Les mains sur la tête. Ouais, oh, c'est bon, c'est pas Ben Laden non plus. De toute façon, les chefs donnent plus de lait depuis l'incendie, tu le sais bien. C'est comme les poules, c'est pareil. Elles donnent plus de lait? Je te garantis, le jour où les cons auront du flair, tu vas trouver des truffes, hein. Fromage des Bodin's, j'ai dit bonjour? Yes, I am the boss, yes.